Allô? Ça va être long, hein? Recycle, ça va être la collecte des biodéchets à vélo pour une valorisation en compost 100% locale. On va avoir deux typologies de cibles. La première, les professionnels, tout ce qui va être restaurant, hôtel, bar, café, espace de travail, événementiel, traiteur. Et la deuxième typologie, ça va être les particuliers, sous la forme du coup de bornes d'apport volontaire où chaque particulier pourront amener leurs biodéchets à ces bornes. L'économie sociale et solidaire, c'est une nouvelle forme d'économie. Une économie plus axée sur l'humain. Il y a également une part environnementale dans cette économie sociale et solidaire. C'est cette part-là qui m'intéresse particulièrement avec Recycle, où du coup on va arrêter de chercher le profit partout où on peut le trouver et au contraire se reconcentrer sur des valeurs beaucoup plus simples, beaucoup plus importantes à mes yeux, avec la création de liens sociaux, avec le respect de l'autre, avec plein de belles valeurs et également du coup le respect de la planète et notamment du coup toutes les actions qu'on fait avec Recycle pour du coup le bien-être de notre planète. L'ESS du coup ça m'apporte plusieurs choses. Déjà rencontrer plein de belles personnes. On est par exemple domicilié au Toit commun. Ça m'a permis de rencontrer des jolis projets centrés sur l'humain. Rencontrer plein de belles initiatives sur le territoire. Après, ça a également remis en question la gouvernance dans l'association. On a une gouvernance démocratique. Toutes les personnes qui sont adhérentes à l'association peuvent donner leur avis, peuvent être force de proposition pour améliorer la structure. Voilà, il y a plein de belles choses aussi à faire sur le territoire en intégrant du coup la dynamique économie sociale et solidaire. Étant jeune association, avec plein de belles idées, on avait quand même besoin d'entrer dans une famille, dans un groupe de travail avec les mêmes valeurs que moi, président et autres membres de l'association. Du coup, en effet, ça a été une grande famille qui nous a accueillis les bras ouverts et qui nous aide au quotidien à toujours s'améliorer dans la dynamique de l'économie sociale et solidaire. C'est quand même un gros employeur hein, sur le territoire, l'économie sociale et solidaire, mais il faudrait que ça soit encore plus développé parce que c'est de plein de belles valeurs qu'il faut promouvoir au maximum auprès de nos jeunes et de nos structures déjà existantes. Il y a plein de choses à faire au quotidien, il ne faut pas hésiter à y aller, c'est l'avenir.